Fait que lui du futur retourne dans le passé pour lui parler. Mais qui? Lui du présent, lui du futur. Mais là, à cause des nouvelles technologies, il a l'air d'être du même âge que lui, mais dans le fond, il est plus vieux que lui. Puis là, lui du futur, il dit à lui du passé, je suis venu t'empêcher de rater notre vie. Hey, mais je suis pas avec les mondes, là. Hey, ta voisine est vraiment hot. Oui, pouvez-vous juste attendre un instant, je vais aller chercher ma facture. Camille, papa, il y a un appel important. Tu peux continuer le casse-tête. Je vais revenir dans 5 minutes, OK? On n'a pas le choix. Faut la tuer. Ben voyons, t'es-tu malade, t'es calice? Ben là, non, on se mettra pas à tuer des petites calices ici dedans, là! J'ai un potluck avec les filles du Quatuor à soir. Ça va tout scraper ma soirée! Mais c'est beau, là! C'est un peu heavy comme première date, man. Ouais, je m'excuse, je... Écoute, t'es super fin, mais... C'est comme too much information pour moi, matin. T'sais, je sais même pas c'est quoi ton nom de famille, mais je sais que tes parents faisaient des orgies des années 80, que ton père est gay, pis que tes sœurs ont le goût de frencher, t'sais. Bédard! Son nom de famille, c'est Bédard. Ah. Bon, ben je vais y aller, moi. Plus de gluten, plus de viande, plus de produits laitiers. Ben oui, mais vous vendez du fromage. Ben oui, mais on en mange plus. C'est pour se nettoyer des toxines animales. Le blé qu'on mange est plein d'OGM. Peut-être ça crée des gènes de porc et de poisson dans le blé qu'on consomme. Puis nous autres, pendant ce temps-là, on fait notre spaghetti, sans savoir que quand on est en train de bouffer, on est en train de bouffer du cochon. Tu sais, j'ai l'impression que t'as pas ta propre personnalité, des fois. Tu décèdes jamais de rien. Est-ce qu'elle a survécu? La femme que vous avez opérée aujourd'hui? Oui. Est-ce qu'elle serait morte si vous n'étiez pas intervenu? Oui. Eh ben... Je vous envie. Ça vous fait une journée bien remplie. Excusez-moi. Ils sont stricts sur mes temps de pause, alors je vais devoir vous laisser. Puisque vous avez parlé de sexe... En fait, c'est vous. Pourquoi une femme ferait semblant d'avoir un orgasme? Pour que l'homme jouisse plus vite? En général, pour retourner faire quelque chose qu'elle a mieux faire. Merci. Ta sœur, là, elle a beaucoup réfléchi depuis, puis elle s'ennuie de toi. Mais encore plus de ta trompette. OK. Yes, Chris. En fait, Isabelle s'ennuie juste de ta trompette. J'ai ma trompette, justement. OK, cool. Je suis content. OK, ben je vais me changer puis je vais te chercher. Tu veux pas me voir pendant 2 semaines? Tu me crisses en dehors de ta vie, là. Tu m'ignores! Je t'ai pas crissé en dehors de ma vie. Je t'ai demandé de l'espace. Puis t'as même pas été capable de respecter ça. Pas pantoute, t'es complètement virée folle. C'est comme si t'avais besoin de moi tout le temps à côté de toi. Puis si je suis pas là une crise de seconde, ben tu t'effondres. Oui. C'est épuisant d'être avec quelqu'un qui a besoin de toi comme ça, là. J'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin de toi une petite seconde, fait que crisse ton camp. OK. Dan! Je te redirai pas deux fois, là. Crisse ton camp! Mel, c'est pas ça. Dan! Oh, si j'en peux plus, là! OK, ton OK, camp, OK, c'est bon! Trou de cul! Va chier! Crisse tes jambes!